Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo des objectifs du temps de l'argentique. Alex m'en parle souvent sur Messenger. Hello Alex, allez c'est parti. J'aime bien me balader dans des boutiques de revente d'occasion ou même des brocantes pour chiner un peu et notamment regarder s'il y a du matériel photo intéressant. Alors, il y a des objectifs qui sont très intéressants et qui ont un rendu particulier. Ils sont tout à fait compatibles avec les appareils photo numériques à l'aide d'une bague d'adaptation. Alors, il y avait une brocante proche de chez moi. Il y avait un vendeur qui vendait un appareil photo argentique avec un objectif monté dessus. Donc, l'appareil photo, c'est celui-là. C'est un Zenith E. Donc, je crois de mémoire qu'il m'en demandait 15 euros. Donc en fait, en regardant de plus près, je vois qu'en fait, c'est un objectif qui était monté dessus, qui ouvre à F2. Je me dis, tiens, ça peut valoir le coup de l'essayer. Allez, je tente la petite négociation à 10 euros, il accepte. Donc ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est surtout l'objectif argentique et son coût très bas. Donc je n'ai pas utilisé l'appareil photo argentique, bien que cela peut être intéressant, hein, mais c'était surtout pour utiliser l'objectif. Donc j'observe le matériel et ici, je vois qu'il s'agit d'un objectif Helios 44-2. Je vois que c'est un 58 mm. Donc l'objectif, c'est celui-ci. Donc là, j'ai monté une petite bague d'adaptation. Je vous en parle après. Donc c'est un objectif qui ouvre à F2. C'est un objectif russe. Donc je me suis renseigné un petit peu. Je vois qu'en fait, à ce prix, j'ai fait carrément une bonne affaire. Je me dis, tiens, c'était un super bon plan, tant mieux, quoi. Donc du coup, après renseignement, ce que j'observe, c'est que c'est un objectif qui est réputé pour avoir un bokeh tournant. Donc en fait, le flou d'arrière-plan donne l'impression de tournoyer. Alors vous pouvez voir des exemples d'images sur mon blog, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et voilà, j'ai fait quelques essais, mais c'est un article qui date un petit peu d'un petit moment, mais voilà, vous verrez les images que j'ai réalisées dessus. Et là je me dis, tiens, il y a du potentiel avec des objectifs, donc qui doivent sûrement avoir un rendu particulier. Donc bon, l'intérêt c'est surtout la possibilité d'obtenir et utiliser des objectifs avec un caractère unique. Donc après, je suis pas un grand fan de l'argentique, mais voilà, ces objectifs m'intéressent surtout pour leur rapport qualité-prix. Et bon, j'en recherche pas spécialement, mais s'ils permettent de pouvoir obtenir un rendu particulier et unique, bon, pourquoi pas. Donc je jette toujours un petit coup d'œil pour voir si je trouve quelque chose d'intéressant avec un objectif de ce type. Donc l'intérêt, c'est que ces objectifs sont toujours vivants. Et ils peuvent tout à fait être utilisés et donner d'excellents résultats sur des appareils photo numériques. Alors, dans votre famille ou si vous avez des connaissances autour de vous, vous avez sûrement une personne qui possède du vieux matériel photographique avec un appareil photo argentique. Donc pourquoi ne pas regarder au niveau des objectifs, par exemple? Donc moi, voilà, j'ai demandé à mon père ce qu'il avait ou ce qu'il pouvait avoir et il m'a filé un Minolta. Donc du coup, c'est un X300 et avec un 50 mm f1.7. Donc du coup, j'en ai même un deuxième, puisqu'il avait un deuxième Minolta aussi, effectivement, et un deuxième objectif, donc c'est le même que celui-là, à quelque chose près. Donc j'ai pas regardé les différences, mais c'est aussi un 50 mm 1.7. Alors, ainsi qu'un zoom, donc le 70-210, c'est un objectif Minolta, et c'est l'objectif que j'ai utilisé pour photographier la Lune dans l'étude de cas dont je vous parle dans mon livre que j'ai écrit, La pose longue. Donc je vous mets le lien en description aussi pour le livre. Alors, pour pouvoir monter des objectifs argentiques sur des appareils photo numériques, il vous faut une bague adaptateur. Donc, c'est un système qui permet d'un côté accueillir l'objectif argentique au format de la marque de l'objectif et de l'autre côté avoir le format qui permet de le visser, donc de visser l'objectif. Donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. En fait, vous devez avoir une bague adaptateur pour le fixer à votre appareil photo. Attention tout de même parce que ce type de bague ne communique pas avec le boîtier, donc avec votre appareil photo. Avec ce type de bague, vous n'aurez donc pas d'autofocus ni de contact numérique qui vous permet d'obtenir les exifs, c'est-à-dire les réglages utilisés pour vos photographies réalisées, sauf si l'objectif communique, et il me semble dans ce cas qu'il doit avoir une puce. Donc voilà. Si vous êtes chez Nikon, normalement, vous pouvez monter directement les objectifs sur vos boîtiers numériques. Alors après, ça dépend de l'année de construction quand même de votre objectif. Il peut y avoir des exceptions. Donc Nikon a normalement gardé le même format et les boîtiers sont motorisés sauf pour les hybrides. Donc dans ce cas, une bague d'adaptateur est nécessaire, je pense.
Je ne connais pas très bien le système Nikon, mais je vous invite à vous renseigner si vous recherchez plus d'informations là-dessus. La plupart des objectifs argentiques sont pour la majorité sans autofocus, mais il y en a quand même qui sont avec autofocus. Donc l'invention de l'autofocus date quand même de la fin des années 70. Voilà les amis, je voulais vous parler d'objectifs argentiques parce que c'est des objectifs qui restent utilisables et aujourd'hui les objectifs numériques coûtent très cher, donc selon le format de votre appareil photo. Donc il y a des objectifs qui peuvent vous permettre en plus d'avoir un rendu particulier et peut-être vous apporter une signature particulière aussi. Donc pourquoi pas essayer, ça permet d'avoir des objectifs à bas coût, donc un bon rapport qualité-prix et de se faire plaisir, voilà, avec des beaux flous d'arrière-plan avec un caractère unique. Notamment ici, là, le Helios 44-2, j'étais étonné de trouver ça, donc pour franchement 10 euros avec l'appareil photo argentique. Franchement, c'était une belle surprise. Bon, après, c'est pas un objectif que je vais utiliser tous les jours non plus, mais voilà, pour essayer, pour s'amuser un petit peu, voilà, pour 10 euros, quoi, trouver d'occasion sur une brocante, voilà, pour, ça se laisse tenter en fait. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis.